Un beau bonjour à tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 57, Nehemia. On peut dire que cet ange est la face uranienne des énergies de Mercure. Il est l'ange le plus élevé de son cœur. Le texte traditionnel dit qu'on peut s'en servir pour faire prospérer toutes choses et pour libérer les prisonniers. En effet, les énergies d'Uranus sont porteuses de prospérité et de santé, et réunies avec celles de Mercure, intelligence, elles nous libéreront des tendances intellectuelles qui nous retiennent prisonniers dans la routine. Vous pouvez invoquer Nehemia si vous avez des problèmes relationnels, puisqu'il corrige les difficultés de communication lors de disputes, par exemple. Particulièrement vigoureux, cet ange gardien vous protège des coups de fatigue ou des moments de doute. Grâce à lui, l'origine des problèmes ne reste jamais en suspens, grâce à une fine analyse de l'environnement. Vous pouvez également invoquer Nehemia si vous souhaitez plus de prospérité dans votre vie. Prière à l'ange Nehemia. Ange Nehemia, puisque je dois diriger la stratégie de mes batailles dans la société, que l'amour et la beauté soient mes objectifs. Aide-moi, ange Nehemia, pour qu'il n'y ait pas d'autres desseins, d'autres projets en moi que celui d'édifier sur terre ce qui existe déjà dans le ciel. Donne-moi du courage pour affronter mes responsabilités et de la lucidité pour réaliser les choses en temps voulu, sans précipitation, sans brûler les étapes, bien que sans pause inutile. Je veux lutter et avancer vers la terre promise, mais garde-moi d'y pénétrer par anticipation, car mon premier devoir est de réussir ici et maintenant, avec ton aide providentielle. Merci et reçois tout mon amour et ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.